là, la grande attraction de ce match, avec 4 buts sur les 3 derniers matchs. Il est sur une série assez incroyable. On va voir ça ensemble tout de suite. Bonjour à tous, vous le voyez sur ces images, le temps n'est pas vraiment à la bronzette, il pleut sur la pelouse et ça va avoir son importance pour la suite. Et pour vous faire vivre ce match, évidemment, il y a Omar Da Fonseca à mes côtés qui est toujours fidèle au poste. Place au foot allemand et à ce match de Bundesliga. Et c'est une ambiance de grande fête, beaucoup d'émotions en prévision. L'histoire a bien commencé pour Wolfsburg. Ça démarre comme dans les contes de fées. Tout est beau, tout est merveilleux. Deux matchs et déjà deux victoires solides. Oh, allez, 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 allez. Ne lis pas trop vite, hein. Je te dis pas, il y a beaucoup de pages, je peux dire vite. C'est comme moi, c'est un gros pont, mais je fais rasard. Hein. Ou plutôt une sorte de 4-3-3. C'est une disposition plus offensive que l'on a l'air. Sinon, il te plaît? Ouais. Il est bien? Ouais. Il est plus thriller, celui-là? Non. Il n'est pas thriller? Non, pas vraiment. Oh, mais merde, ils ont menti. Mais il a vu la vie. Bah, peut-être que le thriller arrive après, hein, c'est que les premières phases. La composition de Wolfsburg. Une formation assez classique, avec ses deux ailiers de chaque côté. C'est le 4-3-3 traditionnel. Ce qu'il disait aussi féerique que terrifiant. Ouais. Bah, ça va peut-être devenir. Je sens un peu ça. Je vais voir. Le coup d'envoi et le premier ballon de la rencontre. Ballon pour retrouver la possession. Ouais, bien joué, c'est un bon mouvement. Intervention de l'arbitre pour désigner ce coup franc. L'arbitre s'approche mais ne sanctionne pas. Il garde le carton dans son petit étui. C'est bien connu, l'arbitre a toujours raison. Enfin, presque tout le temps. Oups. C'est hyper ambitieux de tenter sa chance de loin, mais là, c'est quand même complètement rare. La frappe est vraiment mal ajustée. C'est mal joué. Wolfsburg, une équipe qui reste sur une victoire face à Stuttgart. L'enjeu, c'est donc de savoir si la dynamique va se poursuivre. Leur dernier match s'est terminé sur une victoire nette à domicile. En 3-0 clair et précis. Vu leur forme actuelle, on peut espérer les voir gagner à nouveau. Et un ballon renvoyé par la défense. Ouais, c'est un bon timing pour stopper cette attaque. Enmecha. Oui, attention à ce ballon-là. Et depuis le temps qu'on en parle, c'est enfin le moment. Voilà le premier match sous ces nouvelles couleurs. Vous le savez, le milieu de terrain, c'est la cuisine de l'équipe. C'est là qu'on prépare. Attention à cette occasion, regardez! À la tête la première dans les pieds, c'est courageux comme intervention. On le sait d'ailleurs, hein, il faut une grande folie pour jouer au but. Et les adversaires pressent. Nicolo Zaniolo. Voilà la bonne inspiration avec ce geste. En excellente position. Paradoué du gardien. Oui, voilà, c'est bien renvoyé par la défense. Bonne vision là avec cette passe. Et le ballon écarté de la zone dangereuse. Et ce ballon qui sort et c'est donc un corner.
Ce corner peut leur faire beaucoup du bien. Le public ne s'y est pas trompé et s'est fait entendre. C'est dégagé, aucun problème. Un peu de liberté pour Wolfsburg sur le côté. Bon crochet vers l'intérieur. Ouais, la parade. Un corner qui est bien ajusté. Un corner mal tiré. Et c'est facilement capté par le gardien. Ah non, ce ballon est perdu. Paolo Ottavio, réception Nmecha, et bien vu la passe en profondeur. Oh, le but, oh, marqué dans la foule. Un contre son corps, c'est terrible. Faut que tu vois vraiment, il va falloir s'en remettre. Hein? On revoit ce ballon. Ouais, regarde, ça lève le. Tout le monde regarde ailleurs et préfère éviter d'accabler le partenaire. C'est vraiment un chat, hein. Ça peut arriver à tout le monde. Impossible de lui en vouloir. Tant mieux, j'aurais du mal à marquer. Le premier but de ce match, donc 1-0 au tableau d'affichage. Et voilà le bon ballon dans la profondeur. Ah non, c'est un hors-jeu là qui est signalé sur cette action. Il est un peu trop tardé à lâcher le ballon. Nicolo Zaniolo. Et l'arbitre siffle la faute là-dessus. Pas de carton sur cette intervention. L'arbitre signale en revanche une faute. C'est l'avertissement verbal et la pédagogie qui ont été privilégiés pour l'instant. J'ai bien dit pour l'instant. Crochet intérieur. Il va aller provoquer dans l'axe. C'est contré sans problème. Eh ouais, le bon geste défensif sans commettre de faute. Mais attention parce qu'il y a un but à la Bay Arena. Oui, c'est le premier but pour Leverkusen. Un but à zéro donc, on joue la 30e minute de jeu. Ok, très bien, tenez-nous au courant. Ouais, bonne intervention là. Ouais, pas bien joué, mal défendu, faute. L'arbitre donne le coup franc. Voilà, c'est mal dégagé ça, attention. Voilà, c'est rendu directement. Ah, l'équipe peut jouer le contre. Ah, c'est une magnifique interception et décisive en plus. Nmecha. Ah, le ballon intéressant. Et le face-à-face tourne à l'avantage du gardien. Il met bien son corps en opposition et bouche parfaitement les angles. Ce qui fait que la frappe est bien mordue. Ah, il est bien frappé ce corner. Aïe, 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 la mauvaise relance. Et du coup, attention derrière. Et attention à la faute parce que ça donne un excellent coup franc pour l'adversaire. Arnaud. Goal, et c'est au fond des filets. On sent le coach très satisfait par ce qu'il voit et on le comprend. Et avec ce but, ça fait donc 2-0 maintenant. Oui, la belle incursion là. Ah, l'action était bien partie et finalement, c'est perdu.
C'est confirmé, le ballon est monopolisé par l'équipe visiteuse et c'est grâce à l'éventail des passes proposées, il y a des passes des productions. Attention, c'est chaud dans la surface là. Un bon arrêt du gardien. Ouais, c'est un corner bien joué, bien frappé. Ah, c'est mal joué, c'est mal fait, et attention, il y a toujours danger. Et cette action s'arrête là. Qu'est-ce que c'est mal donné? Le ballon pour Maximilian Arnold. Le tir. Oh, un but, plus 3 au tableau d'affichage. Regardez la passe initiatrice du danger. C'est dans le moment de la passe que la différence est faite. Mais tout n'est pas terminé ensuite. La pression défensive s'accentue et malgré tout, il arrive à s'en défaire et claquer en bondir. C'est reparti dans cette rencontre. 3 buts d'avance en faveur de Wolfsburg. Nous jouerons donc 1 minute de temps additionnel. Et ça y est, c'est la pause de l'arbitre. Et je me suis trompé, c'est pas 180, c'est 200 kilos que j'ai poussé. Je pensais que c'était des plateaux 20, c'était 25. On peut pas dire que ce soit une performance transcendante. 85. Il faut qu'il soit plus pénétrant, plus percutant, qu'il attaque la zone. Réussir, c'est pas évident. Le tenter, c'est une obligation. 25. Plus 25. 50. Plus 25. Voilà, le coup d'envoi de cette première période. Ah oui, mais moi c'est x2. Ah bah oui, mais tu me dis 85. Ah, c'est 85 dingues, le coup. Ouais, j'étais bien à 200. Putain, je me suis même pas rendu compte. Tu m'étonnes que j'ai failli tomber. Oh, 200, faux. L'arbitre vient d'indiquer le début de cette deuxième mi-temps. Place au jeu. Bah, j'essaierai 220 la semaine prochaine. Hein. Ah, c'est bien défendu sans commettre de faute. Et la frappe. Et un arrêt qui est bien. Ça le fera. Corner. Attention, c'est pas terminé. Ah, c'est pas bien relancé, ça. Ah, une position de hors-jeu signalée, c'était trop beau. Et fin des spéculations, ça faisait un moment qu'on en parlait. Le transfert est confirmé. Et voilà, fin de la telenovela. Tout le monde s'est mis d'accord. Il va pouvoir enfin se préparer avec son nouveau entraîneur et ses nouveaux coéquipiers. Et oui, c'est dangereux. Le face-à-face est raté. Il n'a jamais rien de facile dans le foot. Et c'est récupéré, ça. Et attention, il y a du nouveau à Mönchengladbach. Un but au Borussia Park. Oui, c'est le premier but pour Fribourg. Ça fait donc un but partout après 56 minutes de jeu. Ok, très bien. Tenez-nous au courant. C'est récupéré par l'adversaire. Ah, il y a un contre possible à jouer, là.
Depardieu. Magnifique, quelle passe! Il la sort! Quel arrêt il vient de réaliser! Alors là, à ce moment-là, c'est vraiment une parade exceptionnelle. Je garde, mais. Du mouvement sur le banc avec ce changement demandé par le staff. Un ballon directement sur le gardien, mal exploité ce corner. Et le forcing pour récupérer le ballon. Et nous voilà maintenant dans la dernière demi-heure de jeu. Ah non, il ne faut pas la perdre dans cette zone. Et ballon rendu, attention, ce n'est pas fini. Et l'attaque adverse est finalement bien repoussée. La croix. Le prochain rendez-vous sur nos antennes, ce sera de la Bundesliga. Borum affrontera le Hertha Berlin. Et oui, le football, c'est quelque chose de festif. Je vois ce match comme une nouvelle grande fête du football. Bonne conservation du ballon dans leur moitié de terrain. Ah non, il faut s'appliquer sur les transmissions. Oui, attention à ce ballon-là. Pas très difficile celle-là, un peu de suffisance dans le dernier geste peut-être. Oui, à l'arrêt sans aucune difficulté, il y avait mieux à faire. Les 20 dernières minutes maintenant de la rencontre. L'arbitre laisse l'avantage. Vers ses partenaires dans la surface. Et oui, c'est dedans! Sa premier tête but de la saison que j'ai. Ce ballon, Capé Sasso, et ça fait beau! Et avec ce but inscrit, ça fait 3-1. Bonne intervention pour stopper l'attaque. Vous le savez sans doute, on retrouvera de la Bundesliga bientôt pour un match à suivre ensemble. Wolfsburg affrontera Cologne. Comme ils disent les jeunes maintenant, je suis hypé, c'est ça? Je suis très hypé par ce match qui arrive. La faute est pénalty. Pénalty accordé par l'arbitre. C'est l'occasion de réduire l'écart. Mais non, pas de carton sur cette action. Et non, pas de carton. Et pourquoi vouloir toujours ça? Oh, le gardien s'interpose sur ce pénalty. Eh non, ballon perdu. Un pénalty a été signalé sur un autre terrain. Allons voir tout de suite ce qui se passe. Oui, un pénalty sifflé en faveur du Bayer Leverkusen. Ah là là, la faute, c'était une vraie occasion là. On va voir maintenant la sanction de l'arbitre. Et voilà un carton jaune pour cette action dangereuse. Le règlement est parfaitement appliqué. C'est bien frappé dans la surface. Ah, il y a toujours le feu, il faut se méfier, faire attention. À une bonne contre-attaque peut-être. La défense peine à redescendre sur ce contre. La place pour tenter sa chance. Otavio. Encore un. À nouveau le festival offensif continue et ce match est quasiment plié. Et voilà donc un nouveau but. Ça met encore plus KO l'adversaire. Le match est quasiment plié. À l'occasion de faire parler sa frappe. Super l'intervention. Ouh, la frappe. Oh, il a une belle frappe, bordel. Et ça frôle la transversale. Et l'arbitre considère que ça vaut un carton jaune. C'est la décision idoine.
ballon est maintenant récupéré